le prince Harry devrait publier ses mémoires à l'automne. Un ouvrage qui promet d'être sulfureux, d'autant plus qu'aucune copie n'a encore été transmise à son frère, le prince William, et son père, le prince Charles. Selon The Sun, en interne, une tempête se profile. Alors que le prince Harry peaufine ses mémoires, qu'il devrait publier dans les prochains mois, la rumeur enfle. D'après des informations relayées par The Sun ce dimanche 21 août, le petit-fils d'Elizabeth II n'aurait pas encore remis de copie de l'ouvrage, ni à son frère William, ni à son père Charles. Les conseillers et avocats de la famille royale ne seraient pas plus renseignés, rapporte également The Daily Telegraph. Une manière comme une autre d'annoncer les hostilités. Selon plusieurs sources du Sun, la probabilité pour que les princes figurent sur la liste de lecture était plus que faible. Si depuis l'annonce de la préparation du livre, aucune nouvelle supplémentaire n'a été publiée, l'éditeur Penguin Random House miserait déjà sur le best-seller. À en croire le tabloïd, le manuscrit, écrit par J. R. Moringer, romancier lauréat du prix Pulitzer, a déjà été relu et approuvé par les éditeurs et conseils du prince. Selon les chiffres cités par le média britannique, la signature de l'accord conclu entre la maison d'édition et le mari de Meghan Markle aurait coûté quelque 17 millions de livres sterling. Un contrat juteux que l'éditeur a bien l'intention de rentabiliser. Devant la guerre froide qui s'annonce entre les Sussex et Windsor, l'éditeur Penguin Random House compte donc garnir ses étagères de l'ouvrage de la discorde pour les fêtes de fin d'année, rapporte encore The Sun. Plus grand que photo prince William et Harry, réunis aux obsèques de leur grand-père, le prince Philippe, le prince Charles auraient l'intention de bouder le livre, mais que contiennent ces fameuses mémoires? Si le détail ne sera connu qu'à la publication du livre, plusieurs sources s'accordent à dire que l'ouvrage se concentrerait sur Lady Diana, la mère de Harry. Le duc de Sussex aurait effectué des recherches approfondies sur la vie de l'ex-épouse du prince Charles, disparue tragiquement en 1997. Dans sa biographie du prince Harry, la journaliste Angela Levin, qui a passé un an près du père d'Archie et de Lilibet, a également confirmé ces rumeurs. Qu'à cela ne tienne, les sources de The Sun sont formelles, le prince Charles n'aurait pas l'intention de mettre le nez dans le livre de son fils. Un lecteur en moins. Express syndication, à propos de